Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça ne sera pas exactement un cours dans le sens de cours de hongrois, puisque aujourd'hui, je vais faire avec vous un petit jeu. Alors, préparez-vous à dessiner. Donc, vous pouvez aller chercher, arrêter la vidéo, aller chercher des feuilles, on va faire 10 dessins, aller chercher des feutres, moi j'en ai plein là de toutes les couleurs, hop hop hop. Et j'ai des petites feuilles comme ceci. Et je vais vous dire des mots qu'on a déjà appris dans des vidéos précédentes, plusieurs vidéos précédentes, bien évidemment. Et vous allez dessiner les choses que je vais vous dire. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Paprika. 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 Donc moi, je dessine en même temps que vous. Je vous montrerai tous mes dessins à la fin de la vidéo pour que vous puissiez les comparer aux autres et puis pour que vous ayez le temps de bien dessiner si vous avez envie de faire de l'art très artistique. Ce qui ne sera pas mon cas, hein, je vous préviens. Donc, paprika. C'est... Voilà quoi. Alors, je suis désolée, j'ai ma table qui bouge, j'ai pas mis de cale pour la caler, donc de temps en temps, vous allez voir la vidéo bouger un petit peu. C'est pas grave, va falloir faire avec. Mot suivant. Toc. Toc. Mot suivant, kochi, kochi, kochi. Mot suivant, no drag, no drag, no drag. Mot suivant. Kémeigne, kémeigne, kémeigne. Mot suivant est nop, nop.
Mot suivant, naranch. 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 Et le mot suivant est ful. Ful. Mot suivant, arts, arts. Mot suivant, odd, odd. Et voilà, nous avons fini de dessiner, a priori. Donc je vais à présent vous montrer les mots que nous avons dessinés. Le premier était paprika. Paprika, qui est un poivron, qui peut aussi être le paprika en poudre. Alors je ne sais pas lequel vous avez dessiné, mais là en l'occurrence je pensais à poivron. Paprika. Je sais, mes talents artistiques sont extraordinaires. Je crois que je ne vais même pas oser mentionner que j'ai fait les beaux-arts. Le suivant. Toc. Toc. C'est une citrouille, n'est-ce pas? Toc.
On se souvient aussi que ça veut dire autre chose, mais nous n'en parlerons pas ici. Toc. Le suivant est kochi. C'est la voiture, qui peut également se dire auto. Auto ou kochi. Le mot suivant est nodrag. 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 Qui veut bien évidemment dire pantalon. Nodrag. Mot suivant, kemeng. Kemeng. Et c'est bien évidemment la cheminée. Kemeng. Le mot suivant, nop. Qui veut dire soleil, comme il veut dire jour, mais comme je ne pense pas que vous ayez pu dessiner le jour, c'était fatalement soleil. Nop. Mot suivant, noranch. Noranch. C'est l'orange. Noranch. Mot suivant, ful. Ful. L'oreille. Ful. C'est super, hein, mon oreille. Le mot suivant, orts. Orts, qui veut dire visage. Orts, visage. Et le dernier mot, odj. Odj, qui veut dire, ça c'est un cerveau. Odj. Contrairement à adj, qui veut dire lit, n'est-ce pas? Odj, cerveau. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit jeu vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois. Ciao, bye bye.